Hello les petits amis, ravi de vous retrouver. Alors pour cette nouvelle vidéo, mais comment c'est-il qu'on fait? Petit tuto donc de montage et d'assemblage du Bioman, voilà, issu lui-même de la série donc Bioman ou Shōdenshi Bioman, donc composé de deux jets, hein, le Biojet 1 et le Biojet 2, donc série Sentai cultissime chez nous, hein, qui a été diffusée entre 1984 et 1985. Si vous voulez en savoir plus sur la série, j'ai eu l'occasion il y a quelques mois en arrière donc de faire une revue sur la version DX de l'époque. Voilà, si vous voulez savoir plus sur les personnages et sur l'histoire, n'hésitez pas donc à regarder cette ancienne vidéo. Pour aujourd'hui, donc ce qui nous intéresse avant tout, donc c'est le tuto de montage et d'assemblage de ce super mini plat fait par Bandai. Donc, sans perdre de temps, nous allons tout de suite découvrir donc la petite boîte. Je vais ouvrir donc le premier véhicule et puis voilà, on va en voir et surtout en savoir un petit peu plus. Et puis juste après, donc j'entamerai les hostilités donc avec l'assemblage de ce super mini plat. Mais comment c'est-il qu'on fait? Oh, trop hâte de savoir comment c'est-il qu'on fait. Bah justement, cette revue, mais comment c'est-il qu'on fait? C'est juste pour moi, pour savoir, mais comment c'est-il qu'on fait? Ah ouais, cool, alors je vais savoir, mais comment c'est-il qu'on fait alors? Ouais, ouais, bon bah, allez, les mecs, nous on vous dit à tout à l'heure, tchuss, tchuss. Alors commençons tout de suite donc avec les présentations de la boîte, tout en japonais bien entendu, où nous retrouvons donc notre bio-robot constitué donc du Biojet 1 et du Biojet 2, donc venant s'assembler hein, pour former ce robot d'attaque. Alors contrairement à d'autres super mini plats que j'ai eu l'occasion de vous présenter, celui-ci ne comporte que deux vaisseaux, donc deux jets. Donc la revue devrait être logiquement un petit peu plus rapide, à voir un petit peu si le niveau de difficulté de montage de cette maquette. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons là encore donc notre bio-robot, et sur la tranche latérale gauche, le voici à nouveau, mais cette fois-ci muni de son épée et de son bouclier. Voilà, au dos de la boîte, une petite pose dynamique avec les deux jets, et puis bien entendu donc la team au complet. Ah, ça rappelle de sacrés bons souvenirs. Donc voilà, je ne l'ai pas ouverte, j'ai attendu donc justement que nous nous retrouvions tous ensemble pour découvrir ça. Alors, on va essayer de découper ça du mieux possible. Voilà, ouverture facile. C'est un peu comme les aliments, on finit en général par les ouvrir avec rage ou avec un couteau. Là, je vais quand même essayer de faire gaffe parce que voilà, j'aimerais bien pouvoir conserver cette box. Voilà, on va voir si ça fonctionne aussi comme ceci. Voilà, c'est fait. Donc, on sépare la boîte en deux et on vient sortir donc voilà les deux boîtes individuelles. Donc, celui-ci comprenant le premier Biojet, le Biojet 1, et celui-ci donc le Biojet 2. On retrouve bah, exactement la même chose, cette fois-ci en couleur. Voilà. Les petites étapes de transformation, des petites images concernant le jet, voilà un petit peu, hein, plutôt pas mal. Hein. Au dos, les avertissements, je présume, de précaution et d'utilisation. Même topo pour le Biojet 2, on retrouve à nouveau donc voilà cette présentation. Et puis bah là, quelques petites photos, cette fois-ci consacrées donc au Biojet 2. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va regarder tout de suite. Puisque, voilà, on va commencer par le commencement, donc, à savoir la première. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça le plus délicatement possible. Voilà. Voilà. On sort le tout. Hop. Et donc, nous avons plusieurs grappes, dont certaines, comme c'est souvent le cas avec les super mini plats, et ça, c'est cool, déjà pré-peintes. Voilà. Une planche d'autocollant de bonne qualité, des grappes noires, des grappes grises légèrement métallisées, et puis quelques pièces blanches. Voilà pour
le contenu de cette boîte. Nous avons également donc voilà des parties rouges. On aperçoit ici le visage de notre Bioman. Voilà, les grappes comme d'habitude hein, sont parfaitement soignées. Nous avons juste ici voilà un petit bouclette, un petit fascicule publicitaire. Voilà, donc concernant d'autres shodo super héros. Ça c'est sympa, j'aime bien cette petite pub japonaise. Et nous avons donc ici le plan de montage et d'assemblage du premier biojet. Et ici donc sans doute le plan donc concernant la fusion entre les deux. Voilà pour le petit contenu. Et n'oublions pas bien entendu le petit bonbon à mâchouiller. Voilà, lors du montage de cette petite maquette. Et concernant donc l'outillage nécessaire pour cette maquette, comme pour d'autres d'ailleurs, nous avons la petite pince coupante, nous avons juste ici, voilà, la petite lame, le petit cutter de précision, de façon à bien ébavurer hein, les petits morceaux de plastique que l'on vient décrocher. Cet outil-là que j'utilise pour apposer les stickers, et bien entendu donc, voilà, la petite Bruxelles, toujours bien pratique. Pas besoin de colle, fort heureusement, puisqu'il s'agit donc d'une maquette jouable. Et donc, tout se clipse. Ça, c'est quand même fun. Voilà, donc, tous les éléments sont à présent en place, classés donc de 1A à 1E, juste ici, avec les stickers. Ma foi, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Je vais forcément, comme vous en avez l'habitude, donc, fermer mon clapet, histoire de bien me concentrer. Je verrai si éventuellement donc je peux ajouter un petit bruit de fond ou une petite musique de sonore en fond. Je me munis également donc voilà comme le papy que je suis de ma paire de lunettes de vue police. Je ne fais pas de pub. Et puis donc le petit bon bec que je vais tout de suite déguster. Ouais, c'est pas mauvais. Bon bah je crois que tout est prêt. Donc let's go.
Passons à présent à la seconde boîte. Voilà. J'essaye là encore d'ouvrir avec quelques précautions, histoire de pouvoir garder le packaging. Voilà. Alors, bah, nous retrouvons donc bien évidemment la notice pour le BioJet 2. Et encore, voilà, quelques grappes juste ici. Donc noir, rouge, certaines sont peintes. Et puis, bien évidemment, donc les autocollants qui vont avec. Et la petite épée, voilà, qui m'a l'air d'être plutôt pas mal foutue. Voilà donc pour la deuxième boîte. Et on n'oublie pas, bien entendu, le petit bonbon, voilà, pour monter ce mini plat. Voilà, tout en se faisant plaisir. Voilà, au niveau gustatif. Et voilà, tout est prêt sur mon petit atelier. Donc nous avons les grappes allant de 2A jusqu'à 2F, les autocollants, les outils encore nécessaires, la petite notice, le petit bon bec. Donc je crois que ben voilà, tout est prêt. Donc let's go! Thank you.
Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ce tuto « Mais comment c'est-il qu'on fait ?» donc consacré aux deux biojets, biojet 1 et biojet 2, donc formant tous deux le biorobot issu de la série mythique Super Sentai Bioman. J'espère que cette revue, que ce tuto de montage aura permis aux personnes donc qui auraient déjà cette maquette et qui pourraient rencontrer quelques difficultés, bah, j'espère tout simplement pouvoir et avoir éclairé votre chandelle et vous avoir aidé donc dans le montage. Pour ceux qui seraient intéressés éventuellement par l'acquisition de ces deux petites merveilles, bah, tout simplement de vous donner une idée de la conception, du montage, de l'assemblage. Très agréable, même s'il y avait quelques petites difficultés ci et là. Dans l'ensemble, voilà, c'est très réussi. Donc, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la revue, donc, voilà, de ces deux biojets. D'ici là, bah, merci d'avance déjà dans un premier temps pour tous vos petits pouces bleus, hein, pour venu m'encourager, qui font énormément plaisir comme toujours. N'hésitez pas également donc à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé donc de ce tuto, si vous voulez en voir d'autres par la suite. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, profitez bien, reposez-vous bien, et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Moitié zob, moitié blaireau. L'humble fable des zéros. Ah non, 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 non. Stop, je vous arrête tout de suite tous les deux. Pas de générique de merde, c'est à chier ce que vous faites. Et en plus, putain, le générique de Bernard Minet, quoi. À la rigueur, Michel Barouille, ouais, là je dis un grand oui, parce que ce générique était simplement mythique. Mais non, Bernard Minet, non. Non, non, stop, on arrête là. Bah que, c'était marrant. Oui, mais là non, entre Bernard Minet et puis la déformation de votre chanson de merde, hein, à base de zob et de etc. Non, 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 juste non. Ouais, bah moi en tout cas ce que je vois, c'est que tu mesures pas l'ampleur de nos talents hein, tous les deux. Non, par contre, ce que je mesure bien, c'est la connerie dont vous faites preuve systématiquement. Ok, j'ai compris. Donc nous partons dans la tête haute. Oui, la tête haute. Allez, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, bro.